De là où le vent est heureux ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la Cano et bon vendredi. Un vendredi qui commence avec un temps qui est couvert, il va pleuvoir. La température extérieure, elle est relevée à 18 degrés, la température de l'eau 19 degrés. La marée est en train de descendre, le plein bas est à 10h30, des coefficients de 87. Sur cette marée qui est en train de descendre, le vent est onshore, sud-ouest soutenu, 4 Beaufort. Clapot mouton déjà réveillé sur le plan d'eau. Phase de vagues qui sont ridées. Et une houle longue de 11 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest, multipique et à la hausse, 1,80 m à 2 m en déferlement régulier, 2 m à 2,30 m sur les séries qui rentrent fréquemment, 2,50 m sur les grossettes plus rares. Par rapport aux précédentes journées, c'est un peu mieux, c'est un peu moins agité, un peu moins fermant. On voit quelques vagues qui passent de ci, de là, avec une zone de des zones de contournement un peu plus marquées, mais c'est quand même venté, médiocre, sans grand intérêt à la cano et difficilement praticable. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train d'houle qui va gentiment grossir à la mi-journée. La boue Arcachon-Gascogne est gentiment à la hausse à 3,70 m et 8 secondes. La hausse sera plus nette en soirée. La bouée Brest actuellement est nettement à la hausse dans les 6 mètres et 9 secondes. Le vent se maintient soutenu à la mi-journée, faiblit cet après-midi. Prévision à 13h, 2,50 m. Ou l'ouest, nord-ouest à ouest, 12 secondes de période vont de sud-ouest à 4 Beaufort. Et à 17h, 3 mètres à 3,50 m. Ou l'ouest, nord-ouest à ouest qui s'allonge beaucoup plus, 14 secondes de période, vent ouest-sud-ouest qui faiblit 3 à 4 Beaufort. La cano compliquée. Option mobilité médocaine si vous voulez glisser, mais ça sera agité. La meilleure option aujourd'hui, c'est sur le sud-côte basque avec du vent faible offshore ce matin, basculant au nord, faible à modéré cet après-midi. Spot de rocher, spot de repli là-bas. Prochain point à la cano à 11h30.